Un garçon né par accident est devenu la plus grande star du monde. Cristiano Ronaldo n'est pas censé être en vie. Sa famille était si pauvre que lorsque sa mère était enceinte de Cristiano, elle a demandé au médecin d'avorter parce qu'elle n'avait pas les moyens. Lorsque les médecins ont refusé sa demande, elle a essayé de le faire elle-même en buvant beaucoup d'alcool et en faisant de l'exercice sans boire d'eau. De toute évidence, son plan a échoué et, en 1985, une légende est née. Ronaldo a commencé à jouer au football à l'âge de 7 ans et a donné la priorité au jeu sur tout le reste. Il ne s'intéresse pas beaucoup à l'école et est renvoyé à l'âge de 14 ans pour avoir jeté une chaise sur son professeur. Sa carrière a failli s'arrêter un an plus tard lorsqu'on lui a diagnostiqué une maladie cardiaque rare. Heureusement, il a pu être soigné par une intervention chirurgicale. À 16 ans, Ronaldo a été recruté par Manchester United et est devenu le plus grand joueur de football de tous les temps. Cela prouve que le plan de Dieu est toujours le meilleur.